Bonjour à tous les amis, c'est Kouachba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frozenia. Alors aujourd'hui, le programme ça va être de faire mon avant-poste, voilà l'avant-poste de ma faction. Ma faction c'est la Caranium. Et donc là, aujourd'hui je vais déjà essayer de la construire et un petit peu de la décorer. Et après, je vous montrerai le coffre caché de cette semaine. Voilà. Donc, là déjà en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est creuser en fait toute cette zone-là en fait jusqu'à la couche 0. Donc là on a la couche 32, et il va falloir qu'on ait la couche 0, enfin 3 à peu près. Et donc voilà, donc il va falloir que je mine déjà tout ça. Ça va mettre pas mal de temps déjà. Et donc voilà. Et j'ai un petit truc à dire. Je suis enfin grade Viking. Voilà, Viking Courage Tuba. Et voilà, et donc mon objectif ce serait d'être partenaire. Donc bon, le moyen que je sois partenaire, c'est que vous m'aidiez à progresser dans Frozenia. Donc en fait, c'est que je. Partenaire, en fait, c'est partenaire YouTube avec Frozenia. Donc il faudrait que. Bon, ils disent, hein. Ils disent qu'il faut faire à peu près 1000 abonnés et 500 vues par vidéo. Bon, ils ont dit c'est négociable. Bon, donc on va essayer déjà au moins d'avancer. C'est la route pour devenir partenaire Frozenia. Donc voilà. Donc je vais tout de suite remettre mon casque, mon chapeau. Oui, j'ai une tête de glowstone, voilà. Je casse toute cette zone-là. Et après on se retrouve juste après. À tout de suite. Là les amis, je viens de terminer de creuser la trappe de la paix et franchement c'est très très long et c'est pas amusant du tout, mais je l'ai fait et donc là on va enfin pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. J'ai pris toute mon opsie, on va peut-être en reposer un petit peu, je sais pas, mais je pense que j'aurais pas besoin de tout ça, mais peut-être que si. Donc voilà, donc là voilà, j'en ai reposé un petit peu, donc là on va aller au slash home. AP, voilà. Et donc on va commencer un petit peu en fait le build de tout ça, les protections. Voilà, donc. Allez, récupère l'eau s'il te plaît, merci. Voilà, donc en fait, si vous avez dit, mais pourquoi tu montes les coordonnées de ton AP, c'est tout simplement parce qu'en fait, si je fais un slash fmap, voilà, on est à côté de la warzone, en fait, c'est les trucs qui sont au bord de la warzone. Et donc en fait, c'est très simple d'avoir les coordonnées. Donc voilà, donc là en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vais mettre de l'obsidienne partout, voilà là, tout partout ici, et comme ça en fait, ça fait un peu de protection, ça fait un peu de style, et voilà. Donc après, je crois que je mettrai aussi des trucs en bas au cas où il y a des gens qui arrivent à tomber, qui sont ennemis, qui peuvent pas partir. Bon, je mettrai un petit endroit pour qu'ils puissent mourir. Je suis très sympa. Là, je peux rien mettre parce que c'est une autre faction. Donc, quand j'ai regardé le FMAP, voilà. Moi, ça, c'est ma faction. Et on est entouré, en fait. On est entouré par les ennemis. Et là, je crois que je m'y suis très mal pris parce que je pourrais plus monter. Bon, de toute façon, ah voilà, voilà, faut que je fasse attention à ça parce que ça va être très très embêtant parce que l'opsy c'est long à casser, c'est tout le monde le sait, c'est long à casser l'obsidienne et donc voilà, donc je vais faire le mur là, je vais finir mon mur d'obsidienne. Si ça me prend pas trop de temps, si vraiment ça me prend trop de temps, je le ferai en plusieurs épisodes. Même je pense que je le ferai en plusieurs épisodes parce que c'est très 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 long et donc voilà, je vous dis à tout de suite quand ce sera prêt, à tout de suite. Les amis, donc là j'ai bien avancé sur la base claim, sur la maison de faction, on va y aller. Donc j'ai fait un petit home slash AP, voilà, tout simplement. Et donc on va y aller, et normalement j'ai un. Bon, il n'est pas là, mais normalement j'ai le manque de ma faction Fire Drake Blue qui travaille aussi avec moi. Donc voilà, donc là vous voyez quand même le gros avancement de la base claim déjà. Hein. J'ai peut-être de l'eau, voilà, pour descendre tranquillement. Voilà. Donc là on a pour l'instant un peu l'entrée, j'ai mis des portes en fer.
Donc voilà, on peut sortir. Et donc voilà, le plus important, c'est ça. Voilà, j'ai fait le gros trou. Donc là, j'ai essayé de mettre de l'opsy et tout ça. Mais déjà, le truc, c'est que j'ai fait le trou. Et j'ai mis de l'opsy tout là. Et ça, vraiment, ça a été le plus long. Et voilà, donc je vais retourner à l'intérieur. Oui, j'ai pas mis de moyen de rentrer. Je suis peut-être bête, mais bon, voilà. Donc on va redescendre. Bon, voilà. Et donc là, voilà, on va descendre. Et donc là, voilà, on arrive sur la base. Alors, il a une façon de miner un peu bizarre quand même, mais bon. Surtout qu'en plus, en fait, il abîme le lieu des gens d'en face, mais bon, c'est pas grave. Laissons passer. Voilà. Donc, après, en fait, je pense un des trucs qui, aussi, qui vous intéresse aussi, c'est comme à chaque fois sur Frozenia, je fais le coffre caché. Et donc là, bah, là aussi, j'ai un coffre caché à vous montrer. Donc, slash home coffre. Voilà. Donc, je tiens à dire aussi que mon coffre d'avant a été trouvé. Très rapidement, normal, j'avais donné les coordonnées, et donc voilà. Donc là, on arrive dans le lieu du coffre, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, on a le coffre. Je me suis amusé, hein. Voilà, je vais vous montrer quand même. Je me suis amusé pour la déco du coffre, hein. Pareil, je mettrai un petit panneau avec un code à m'envoyer en MP sur Discord, et voilà. Donc j'ai fait un petit peu de déco, c'est pas grand chose, hein, mais voilà, donc il y a un peu de minerai à récupérer par terre, là on a du lapis-lazuli, de la glowstone, le meilleur en fait dedans c'est le jade, hein, la crème de magma et les gaz tir quand même, et après voilà, donc là on a un petit peu un kit viking je crois, mais je suis pas sûr, bon, en tout cas c'est à peu près le stuff d'un kit viking, donc voilà. Et donc l'indice c'est que en fait on est au-dessus en dessous d'un village, voilà, on est en dessous d'un village, déjà ça aide vraiment, mais vous savez pas où, donc je vais faire un petit slash fmap, voilà, donc moins 216 262 sur le fmap, je sais pas si ça peut aider, mais en tout cas voilà. Donc si vous voulez en fait tout simplement d'autres indices, allez sur le Discord de la faction Caranium, et donc vous aurez des indices qui seront donnés dessus, si vous trouvez pas les coordonnées. Mais là, je pense que j'ai quand même donné pas mal d'indices. Donc voilà, donc on va aller au spawn pour se dire au revoir. Si vous vous demandez pourquoi t'as un four sur la tête, tout simplement parce que j'ai décidé de mettre un four sur la tête. Si je veux, je peux mettre de la dirt sur ma tête. Si je veux, je peux mettre un seau sur ma tête. Bon, mais en fait, c'est grâce à mon grade viking qui me sert. Je peux faire la commande slash hat. Par exemple, si je tiens la glowstone dans les mains, je fais slash hat. Voilà, ça a remplacé les fours. Voilà, ça remplace l'item que j'ai dans les mains. Et même si je veux, voilà, maintenant je peux mettre n'importe quoi. Ça marche. Bon, bah, c'est un petit peu cool, mais voilà. Donc voilà. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Courage Tuba. Au revoir.